Et hey, les gens, bienvenue sur frappestesjeux.fr ou sur mon blog tissant3.fr. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo de notre aventure sur Portal Knights sur PC. Donc je vous rappelle, un jeu qui m'a été offert, j'oublie les mots, par Berserker. Berserker, toujours ici, présent. Toujours présent. Ta-da-da-da. Donc nous sommes retournés voir l'Empereur. Je vous rappelle qu'on voulait essayer de récolter quelques ressources que nous veut le chevalier du portail. Ça te dérange si je t'emprunte quelques petits morceaux? J'avoue qu'on s'est un peu laissé emporter. Mais... parler. Attends, nous nous sentons déjà beaucoup mieux. Nous espérons que votre séjour dans le champ de l'équilibre bien-aimé vous sera agréable. Voilà, alors on lui a fait des petits courants d'air. On va vous montrer ça. Voilà. Il reste le portail, de la terre et l'empereur. Dans le vide, de préférence. Donc voilà, et histoire de vous donner une meilleure impression du vide. Il essaie de briser les blocs sous moi. Le petit saligo, tu vas voir de quel bois je me chauffe. On va se retourner à la zone d'atterrissage et vous allez voir à quoi ressemble le château maintenant de loin. Voilà, j'y suis. Et voici donc le château. Attendez, on va se rapprocher par là, ça va être rigolo. Voilà, je vous présente le château, il y a trop de monde ici. C'est quoi ça? Ah, golem et tout. Oui, c'est ce que je viens de dire, il y a trop de monde ici. Aïe. Mais ils auraient vu le château en fond là-bas. Alors, enfin, c'était le château, avant qu'on passe. Ça y est, je suis mort, j'ai pas eu le temps de comprendre ce qui m'arrivait, il y avait le golem. Bon, bah voilà, comme ça au moins c'est réglé. Et ce que l'on va faire, c'est que je vais peut-être essayer de sauver. Ah, mais mon collègue aussi est mort? Ah non. Non, je serai toujours occupé d'essayer de survivre. On va à Bourg-Fougère. Où il n'y a pas de fougère, encore une fois. Ouais, des champignons. Des gros champignons. Voilà, parce que nous avons miraculeusement ou pas trouvé des morceaux de portail vert. Chut, ça restera notre petit secret. Faut pas leur donner les secrets de fabrication comme ça, tu vois. Chut. On les a trouvés dans un... comme ça. Ils étaient pendus à un arbre. Non, mais vous doutez que pour vous, quand même, nous avons fait l'aller-retour plusieurs fois, relancé le jeu plusieurs fois, jusqu'à avoir assez de fragments pour pouvoir avancer dans ce portail, n'est-ce pas, hein, cher collègue? Ouais, mais complètement, ça nous a juste pris 1h30 pour avoir assez. Du coup, faudra juste que j'active ma boussole, moi, pour essayer de... de le retrouver, oui. Et il est par là! C'est vers le nord, faut suivre ta boussole, la flèche de ta boussole, concrètement. Ouais. Je vois ça. Bon, de toute façon, il n'est pas très loin, on le voit déjà. Je saute de champi en champi et au moins il fait beau. Il fait jour surtout, en fait. Beau, sans corps. Ah oui, en plus, ils sont de nouveau de retour. Hein. En même temps, nous avons passé tellement de temps à les affronter que maintenant, nous les maîtrisons, n'est-ce pas? Oui, aïe, oui, c'est ça, complètement. Je vais crever. Joli. Alors, oh tiens, double recette de blocs de tapis vert. On pourra mettre du tapis vert maintenant. On aura tapis bleu, tapis vert. Je serais peut-être mieux de récupérer de la vie avant. Ouais. Allez, au secours. Bon. Je suis bloqué au fond de ma... T'inquiète pas, je l'ai tué. C'est bon. Par contre, j'ai pas de potion de soin sur moi, donc on va utiliser mon sort de soin. Attends, reviens près de moi 2 secondes. Et est-ce que ça fonctionne? Oui, ça m'a redonné. Ça m'a redonné un petit peu de vie. Alors, du coup, on va s'équiper, non pas de la carte, mais des pierres de portail. Ah, c'est pas tout ça. Mon sort de soin rebondit sur l'allié le plus proche et le soigne de moitié. Du sort de base. Nous avons accompli la quête. À toi l'honneur. Non, à toi l'honneur. Oh, mais c'est trop d'honneur. Tombe de l'ordre. Oh, et ça sonne bien comme nom. Oui. Mais l'ordre de qui? Ah, bonne question. D'après moi, de l'ordre de mecs qui sont pas trop sympas.
Niveau 30. Je suis presque sûr qu'ils en voudront un peu à la peau de notre cul. Pour rester poli. Pourquoi forcément à notre cul? Bah, je sais pas, hein. Juste avant, on a dû buter des momies. Ils ont plus trop de. On va dire que la peau est pas trop fraîche là-dessus. C'est vrai que ça doit faire mal aux œufs de s'asseoir sur les œufs. Le coccyx doit surtout dérouiller à chaque fois. Ah ouais, ça c'est clair. Peut-être pour ça, du coup. Mmh. Bah, c'est pour ça surtout qu'ils sont rarement assis, mais surtout couchés. C'est pour éviter les escarres. Ouais, on est en train de se faire des logiques et des théories complètement. Attention, à quoi ça va ressembler? Reste pendant 10 heures seulement. Oh. Quel est ce monde? Lugubre, c'est lugubre. Petit brouillard. Par contre, attends. Oui, ce que je viens de voir. Oh, bah, par contre, elle disparaîtra, ouais. Il y a le symbole de la quête. Alors, une insaisissable île du monde fantôme est apparue. Explorez-la avant qu'elle ne disparaisse à nouveau dans les brumes. C'est une île de niveau 18, hein, recommandée. On est niveau combien? Niveau 15, 14? Ouais, 14. Attends, je vais aller voir ça. Niveau 14, normalement. Ah, j'appuie pas sur les bonnes touches, c'est dans le jeu. Au niveau 14, ouais. Donc on a juste 4 niveaux trop petits. Par contre, je vois pas encore de monstres, mais... Effectivement. Une reste faite. Ça va être triste qu'elle disparaisse dans d'atroces souffrances. Bon, vu comment c'est lugubre... Ah, attends, j'ai trouvé un du vide. Ouais, quelque chose par là-bas. Attends, c'est quoi? Je veux aller voir. Ah, je suis coincé. C'est pas ma faute, je suis innocent. C'est ce qu'on dit toujours. Ah oui, il y a des... Qu'est-ce que c'est que ceci? Il y a des squelettes. Oh, oh, je t'ai vu tomber de ces vitesses. j'ai vu ton nom passer comme ça vers le bas. aïe. Attends, je te rejoins. Aïe. Ah, il a perdu la moitié de ma vie. Oui, moi aussi. Mais je les ai eu. J'ai survécu. Et cette île, il y a tout. Il y a du fer, il y a de l'or. L'or, par contre, il faut absolument récolter. Vas-y, on chope. Tant qu'on peut. L'or ne mènera pas avant le prochain boss. Hein, donc c'est encore assez loin. Sachant qu'il faut 14 minerais d'or pour faire un lingot. Fais gaffe, il y a des bestioles dans le fond là-bas. Ouais, je sais. C'est pour ça que j'agresse. Oh, attends, c'est pas de l'obsidienne qui est par terre là en dessous du bloc. Je crois que c'est de l'obsidienne au dessous du bloc bleu. Oh, punaise. Je crois que c'est de l'obsidienne. Non. Mais oui, c'est de l'obsidienne. Ah bon? Oui, ce truc là noir, c'est de l'obsidienne. Je crois qu'on va passer un petit peu de temps à miner cette île. Je crois qu'on va miner entièrement cette île. Sauf qu'il reste seulement 10 heures, non? Encore un jour et 21 heures, il reste. Ah, oh, ça va être trop court. Ouais, trop court pour tout miner, mais... Ouais, parce que là, toutes les ressources qu'on a pu récupérer, l'obsidienne et l'or, normalement, c'est des ressources qu'on accaparait à le prochain boss. Hein. Donc là, on est en train de se faire des ressources, mais vachement à l'avance. Donc j'ai bien fait de descendre ici, moi. Oui, t'as bien fait de me suicider. Je crois qu'il y avait de l'eau, alors je me suis dit, c'est bon, je vais pas mourir en bas, et en fait, il y avait pas d'eau. Parce que tu crois que les développeurs sont aussi gentils que ça? Ben oui. Les développeurs sont nos amis, il faut les aimer aussi. Du coup, je crois que j'aurai... Voilà, mon inventaire est plein. Ce sera l'occasion par la suite d'aller sur la nouvelle île et... Je vais devoir couper mon micro une petite seconde. Voilà. Vas-y. Voilà. Retour en jeu. Miner de l'obsidienne. J'ai eu peur, je suis sur un truc qui est en train de m'attaquer, mais non. Faudrait que je me débarrasse certaines choses. Par exemple, hop, ça, mes sorts de soins.
mes parchemins de soins. Voilà, on va déjà en utiliser un. Qu'est-ce que je pourrais bien balancer dont on n'a pas besoin? Oh, c'est difficile de faire un choix. Tu n'as pas l'idée de m'inventer? Ça, je bâtarde ça. Bah, je l'avais pas intégralement vidé, parce que j'avais l'intention d'aller construire après. S'il n'était pas assez intéressante. Ah oui. Finalement... assez intéressante, les livres. Ouais. Oh punaise, oh punaise, oh punaise. Oh, méchant zombie. Ça se fait pas de prendre les gens comme ça par surprise. Ah, mais tu fais mal. Je viens t'aider. C'est bon. Méchant. Preset pour fiole de protection contre les dégâts maudits. C'est intéressant. On voit rien par là, hein. Il me faut une torche. On va essayer d'explorer avec ça. Une torche. Ouh, mais il y a plein d'or en fait. Ah ouais, l'or c'est magnifique. C'est beau, genre. Bon, j'ai, voilà, j'ai une centaine d'obsidian. Ça ira, je pense. Ah, l'or. Côté d'avarice qui revient. J'avoue. Pognon. Argent. Moi, ce qui est pas mal, c'est que ça nous prépare, parce que tu vois, on est occupé de récolter des cristaux, encore des cristaux. Oh, il y a de l'obsidienne partout. Oh là là. Tellement d'obsidienne. J'ai fait un truc. Qu'est-ce qu'il y a sur cette île en fait en minerai? Minerai de fer, minerai d'or, bloc de basalte et bloc d'obsidienne. Et niveau plantation. Ah, mais là on arrive à côté du vide en fait. Ah, il y a de l'or là. Gaffe où je mets mes pieds, moi, parce que... Oh, les parchemins de soins, ils font une aura verte. C'est rigolo. C'est la magie de la magie, ça. Magie. Les cuisines ont du génie. Non, c'était pas ça. Bonne question. On serait pas tout le monde. Ouh, il y a de l'or là-haut. Il y a de l'or là-haut-dessus. Là, il y a du fer. Ici aussi. Mais ça remonte jusqu'où comme ça? Ah, jusque là. D'habitude, je serais presque jusqu'à la surface. Mais... Oh, c'est tellement pas pratique. Tu vois pourquoi j'ai une sorte de petite aura bleue autour de mon personnage? T'as récupéré déjà tout le reste. Ah non, il y a du fer là que t'as pas récupéré. Ouais, le fer. Je crois qu'on a déjà plein et on a des. On a toutes les îles qu'on va débloquer, mais qu'on va découvrir. On... C'est pas encore trop grave le fer de pas ramasser ici. Espèce de raciste du fer. Il est plus important. Tant pis, dans ce cas-là, on va plus. Ah, il y a du l'or là. Il est plus important que le fer dans la vie, genre l'or, tu vois. Les joueurs de Minecraft ils doivent pas comprendre comment ça se fait qu'on laisse passer toutes ces choses. Non, plutôt que qu'on veut absolument de l'or. Ah tout ce oui, qu'ils veulent faire à base d'or, c'est juste les trucs quoi. Aïe, j'ai crevé moi si je reste là. Tire-toi l'ami. Ils doivent pas comprendre ce qui se passe. Ah mais non, mais j'ai crevé.
Non, viens vite. Trop tard. Non, tu es mort, je vais te soigner. Ouais, mais en fait, le personnage il voulait plus esquiver, il y avait trop de blocs de haut, ou il voulait pas prendre les blocs en question, bon tant pis. Du coup, j'essaie de voir si par hasard il n'y a pas moyen de trouver un petit peu d'or dans les mines qui sont juste en dessous. Non, bien sûr, il n'y a que du fer ici. Mince, je me suis trompé, j'ai utilisé une popo de mana. Ouh, plein d'or. Je regarde si je peux éventuellement trouver quelque chose à la surface, au niveau de l'or. Parce qu'il faudra bien qu'à un moment ou à un autre... comment dire... On aille construire pour commencer à stocker... Oh punaise, je viens de tomber sur une sorte de monstre de magma là, c'est impressionnant. Oui. Oh, non, non, ah oui, non. Les ossatures. Ouais. Les ossatures. Faut que je me tire d'ici, je suis coincé dans le décor, foutus arbres. Je les ai eu. Enfin, je l'ai eu au moins celui-ci. Ah, mais j'aime pas ces arbres là, qui nous empêchent de passer. Ouais, les branches sont trop basses. Espèce d'arbre lugubre. Ah, lugubre. J'arrive plus à articuler. C'est mauvais signe. Ouf, méchant. Méchant, son. Plus il y a faire nu, on va plus rien y voir. C'est pas le genre d'île où on voit grand chose déjà. Mais attends, de l'or, j'en ai 19 là, de blocs. Et moi j'en ai 40. Ah oui. Moi aussi, on se met à l'aise, hein. Ah bah oui, l'avarice qui ressort dans les veines, tu vois. Là. L'appel de l'argent. L'argent des abonnés. Chut, j'ai ta peau sur internet. Non. Je vois du fer un peu partout sur les murs, mais beaucoup de vide aussi. Bon, il y a 2 minerais d'or que je peux pas ramasser parce que c'est vide et que je peux... Parce que quoi? Ah. Parce que c'est le vide en dessous, j'ai pas accès pour mettre de... pour les empêcher de tomber. Tape. J'essaie juste de monter un peu. Oh, il y a une maison là, attends, je vais aller voir. Voilà, on dirait que j'ai complètement vidé la mine. Voilà cette station, messieurs. Donc, je vais me re-téléporter à la zone de base. Enfin, je veux dire à la zone d'atterrissage. Hop. Ah, bah attends, il y a quoi ici? Il y a une maison de côté au-dessus, une sorte de mini-église ou je sais pas trop quoi. Dis-toi que c'est un truc glauque, un peu cool. Je vais voir s'il y a des gens qui vivent ici. T'avais fouillé la petite maison auprès du puits? Non. Ah non, parce que je l'avais pas vu la maison d'après. Dans la maison, tu sais quoi, il y a un habitant. Il s'appelle Squelette Écuyer. Tous les deux. Ça. Ok, c'est réellement des vivants ou c'est des... Quoi? Est-ce que c'est réellement des gens ou c'est... Non, c'est des gens morts. Ah, okay. Ils servent plus à rien quoi, c'est... ils sont KO morts quick. Y a plus. Tristesse. Ou pas hein. Parce que bon, moi ils habiteraient ici, je les plains quand même les mecs hein. Ouais, c'est. C'est qu'en fait ils sont libérés là complètement. Quoique vu qu'on peut pas les tuer, au pire on peut les mettre dans le vide comme ça ils vivent dans le vide et plus personne ne peut les attendre. À part les momies, parce que les momies elles sont embêtantes. Là va y avoir un monstre qui risque de me poursuivre. Je te rejoins et après on se barre, hein, parce que... Tu veux te barrer d'ici déjà. J'ai trop peur de rater mon saut, c'est bon du coup t'as visité... Attention, tu t'en vas où? Bah je cours, je fouille, je sais pas. Ah, je me coince dans les branches, s'il vous plaît. Ah. Il y a des trucs qu'on peut utiliser ici. Aïe aïe aïe. Et on pourrait ça encore longtemps là, non? Ah, il a pas sauté comme je voulais. Bon, tant pis.
Bon, je n'irai pas jusqu'à dire qu'on l'a tout vu, puisque ce n'est pas vrai. On sait qu'il y a de l'or qui traîne dans ces terres. C'est bon, qu'est-ce qu'elle en fait ? Voilà. Voilà. Je vais aller fouiller ce bâtiment au loin. C'est pas bon. Un bâtiment au loin ? Je n'ai vu aucun bâtiment par là-bas. Ah bah moi je suis en train d'en fouiller un autre là. Avec il y avait un grenier caché avec plein de trucs à casser. Ouh. Parce que là, moi j'avais fouillé le bâtiment qui est au milieu, mais j'avais pas fouillé le grenier. Ah oui d'accord. C'est l'église avec deux squelettes. Désolé monsieur, mais je n'ai pas demandé de votre aide. À chaque fois j'ai peur que mon dragon fasse des siens. On fait tout ce qu'il y a. Déception. Bon, tu me dis quand t'es prêt pour revenir à notre nouvelle maison. C'est ok pour moi. Mais par contre, j'ai aucune ressource de construction. Ouais, moi, j'en ai plein des blocs de construction, justement. Ouais. C'était fait exprès pour qu'on commence à poser les trucs. Du coup, il faut que je réfléchisse intensément. Par contre, j'aurais pas de cuivre, mais ça, c'est pas grave. Ça aurait été bien de pouvoir fabriquer des coffres et tout ça. Sinon, on peut essayer d'y passer, hein, quoi qu'il arrive. Ah, je me bloque partout. C'est horrible, ces armes. On a combien d'îles du prochain boss? On est quand même encore loin. Hein. Ah bah oui, on a fait que deux îles, je crois, deux ou trois îles. Troisième boss et on revient quasiment au point de départ. Il y a que trois boss pour l'instant dans le jeu? Non, quatre, je crois, trois, quatre. Ok. Bon, du coup... Je suis en train de me demander, il y a quoi comme minerai sur cette île? Bah sûrement les trucs de gel et des émeraudes, il n'y aura pas de cuivre. Non, ils le disent. Bon tant pis, j'y vais. Ouais, bah, mais bon, parce que sinon je vais mourir. Tu vas être libéré. Délivré. C'est bon, je serai cuit. Ah là là. Ah ouais, c'est chouette cette île, ça nous a permis d'avoir un peu de l'obsidienne. Je suis même pas vérifié. Ah non, il n'y avait pas de portail. On se souvient. Non, zéro portail. Oh là là. Et nous y sommes, et comme par hasard, tu sais quoi, il fait nuit. C'est magnifique. Et le rythme jour-nuit de ce jeu est assez court quand même. Alors après, je sais pas, c'est vraiment comme dans Minecraft, mais j'ai toujours la sensation que... Sachant qu'on peut, on peut construire une zone d'atterrissage, on n'est pas obligé de construire ici. Hein. Si tu veux directement choisir un endroit plus plat. Mais ce serait pas bête, tiens. Comme on peut quand même construire une zone d'atterrissage. Ça va pas s'ennuyer. Ce serait bien d'avoir un truc de jour et essayer de monter en hauteur pour voir... Bon, en général, quand on monte, c'est en hauteur, mais... Bah, monter plus haut. Tu peux monter en bas, mais c'est plus les femmes qui le font. Non, parce que je suis pas d'accord, ça dépend du référentiel. Et de la personne qui parle. Dans un immeuble à 6 étages... Si la personne est au deuxième étage et qu'il y en a un qui est au quatrième étage... Eh ben, il va dire que la personne monte en bas, parce qu'elle monte au troisième étage, mais ça reste en dessous de l'étage où il est. Ah oui. Je parle juste du fait que les femmes portent des bas. Je me suis pas fait chier. C'était juste ce rapport-là, tu vois. Oh, il y a d'avoir une énorme plateforme. Oh, punaise, c'est quoi cette espèce de plateforme au bout là-bas? Regarde en face. Ça m'a l'air extrêmement plat, cette île. Extrêmement loin. Non mais on construira une plateforme de déplacement. Ouais. Ah mais t'es déjà parti toi, ça y est. Plus rien ne t'arrête.
Non, ne casse pas le bloc sous tes pieds, Iti. T'es en train de faire quoi, hein? Des escaliers, vite fait. C'est plat, oui. Et avec un immense lac. What? Ah non, l'arnaque. Non, mais sérieux, quoi. Ils se foutent de qui, ceux-là? Bon, on pourrait construire quelque chose au-dessus de l'eau, ça serait super stylé. Mais je me demande, c'est quoi la profondeur? Oh mon dieu, je vois pas le fond. Jette un coup d'œil dans l'eau, sans tomber dedans, bien sûr. J'ai envie de tenter un truc. S'il faisait plus clair... On peut construire sur l'eau, hein. Oui, mais c'est pas le problème de construire sur l'eau, en fait. Ça peut être vachement cool de construire sur l'eau. Je ne pense pas que l'eau te videra, tu sais, si tu fais un gros trou. Non, mais pas entièrement, mais ça ferait une cascade dans le vide. Voyons ça, c'est pas assez profond pour que l'eau assise l'oreille jusque là. Bon après... Une cascade de l'infini. Oui, surtout qu'en bas il y a une petite plateforme, donc ça va s'étaler. Oh, mais elle est nulle cette plateforme. Il n'y en avait pas un autre. Ça s'étalera assez pour qu'on commence à tomber. Mais... Regarde, tu vois, là ça tombe dans le vide. Non, parce que si tu regardes, en fait, il y a plusieurs endroits où c'est comme ça. Où il y a des creux comme si ça allait s'écouler. Ouais. J'hésite à descendre quand même. Bon, allez, je tente. C'est là qu'il y a des. En fait, j'aurais pas dû. J'ai cru que j'allais pas les dégâts. Finis, mon mec, il va falloir que je remonte à toute vitesse. Sinon, tu sais, tu peux faire ton petit. Petite virgule pour faire retour à la zone d'atterrissage avant de mourir. Le petit gueule. Oh, finesse, le phallus de terre qui remonte jusqu'à la surface. Ah, c'est tellement dommage, j'ai pas de grenade à lancer là. De bon. Mais ça pourrait, tu vois, être un gros. T'imagines un palais au milieu de ça? Ouais, non, mais justement, je veux. Ça serait une vue magnifique avec un pont pour y joindre en jade, tu vois, le pont de jade pour y rejoindre. Ouais, mais pourquoi il s'appellerait jade d'abord, hein? Non, mais le pont il sera en jade, j'ai jamais dit qu'il se rappellera jade. Bon. Tu l'as appelé le pont de jade. Bah oui, mais s'il est en jade, il sera pas. C'est un pont de jade. Bon. Bon, fin ici. T'es au loin là-bas. Et en fait, il est où le... Quand tu... Il faudrait qu'un de nous deux fasse un retour à la zone d'atterrissage pour savoir plus ou moins où c'est par rapport à la zone d'atterrissage pour qu'on puisse. Par contre, c'est bien gentil, mais. Qu'on puisse revenir facilement. Pourquoi je peux pas poser de blocs sur les côtés là? Peut-être parce que je suis au-dessus de l'eau. Non, tu peux. Non. Ah bah si, ça voulait pas. En dessous de ce niveau-là, ça voulait pas les poser. Voilà, ce sera mon petit lopin de terre. Regarde, tu vois là par exemple, si je veux, hop, j'ai pu poser là. Attends. Ah oui, tu peux, c'est dégueulasse. Je vais venir jusque chez toi comme ça. Ah oui, non mais attends, ça va faire la... Si tu les mets à la surface de l'eau comme ça, ça va... quand on va les casser, ça va pas faire un truc bizarre? Bah je pense pas, regarde. Ça va pas faire un trou dans l'eau? Non, regarde, hop. Le temps que ça se remette bien. Ça se remplit, génial. C'est mieux foutu que Minecraft. Hein. Minecraft, maintenant ça se remplit, mais pas quand t'es en plein milieu de l'océan, je crois. Ou peut-être que si, je sais plus. Aïe, mais quel qui je fais? Il est retombé. Il va refaire un pylône, allez hop. C'est moche en plus ces pylônes. Non, ils seront en dessous donc on les verra pas. Il faudra... De toute façon, moi le truc que je viens de faire pour te joindre, il faudrait aussi que j'enlève. Hein. Mais elle est jolie la terre ici. C'est... Je pose un bloc, il y a directement. Directement les fleurs dessus. Et on posera nos jardins partout autour. Ouais, on sera bien là. Du coup. Avec nos cerisiers, leurs pêchers comme ils disent ici. Alors, du coup. Voilà. Tiens, voilà, t'as la base de ta plateforme. Faut juste que tu poses le bloc que tu veux mettre comme sol. Contre. Alors attends. Dès que t'auras mis la base, ça sera bon.
La base de la plateforme. Alors attends, ce que je suis en train de réfléchir. À comment on fait le truc. L'eau est bonne, elle est pas trop froide. Je crois qu'on est en... c'est une bonne période. Je suis en train de faire pouf pouf. Il tient en pleine réflexion. Bloc de béton. La zone d'atterrissage, on la mettra sur, tu sais, sur les contours de terre, devant le pont. Non, mais il est tombé, il veut pas de ce bloc-là, moi. Fais attention, quand tu casses un bloc, à ce qu'il ne tombe pas au fond de l'eau. Salut. J'étais ravi de te rencontrer. Suicide en direct d'Haïti. Je suis un peu bête parce que mes blocs de terre, ils sont où? Ils sont là. 3, 2, 1, noyé. Non. Qu'est-ce que t'as fabriqué, toi? Bah, je voulais me rapprocher du bord pour envoyer une boule de feu, t'es occupé de construire pour que ça se casse. Si je tombais dans l'eau. Une boule de feu dans l'eau? Ça te paraît logique? Bah, je sais pas, je voulais essayer pour voir si ça fonctionnait. Tu vois, oui, t'as vu? Ça fonctionne. Les gars. Oui. Donc, tu disais un pont de jade, toi. Oui. Bah, actuellement, c'est un pont de terre, hein, en diagonale. Mais mince, j'aime pas quand les blocs ils se construisent n'importe comment. Il est tombé dans l'eau, ce con. Oui. Et fais d'abord une surface genre de 2-3 cubes. Comme ça, si tu casses quelque chose, il tombe pas dans l'eau. Je sais pas si je suis à la bonne hauteur, là. Tu nous fais quoi, là? Le pont de jade. Mais c'est pas du jade. Ouais, mais attends, il faut mélanger les couleurs un petit peu, que ce soit pas trop dégueulasse. Ouais, mais si on mélange pas les couleurs, il y aura pas le dégradé que ça fait, c'est quand tu colles. Non, mais attends, quand je dis mélanger les couleurs, c'était pour faire un pont de jade, un vrai pont de jade. Ouais. Attends, j'espère que j'ai 136 blocs de jade, j'ai pas les violents avec ça. La jade brute, là. Ah, tu veux vraiment le faire en hauteur, toi, le pont, en fait? Quoi? Tu veux vraiment le faire en hauteur, en fait, le pont? Ben, qui passe au-dessus de l'eau, que ça fasse des arceaux rouges, là, comme ça. Non, je pensais qu'on allait faire un pont à la surface de l'eau, et près de la terre, là où on... à l'extrémité de l'eau, ben, on aurait fait des escaliers. Non, c'est parce que, tu vois, du coup, ça fera un pont pour arriver au palais, et on fera des terrasses au niveau de l'eau. Ah, oui, pas con. Ah, j'acquiesce. J'accepte cette idée. Bon, moi, j'ai absolument rien pour construire, donc moi, je te regarde. Il fait beau aujourd'hui, hein. Tu sais ce qu'il faut, toi, pour construire un... Non mais oh, tu vas dégager, toi. Ce qui est dommage, c'est vrai qu'on peut pas se téléporter sur différentes îles séparément. Sinon, tu vois, j'aurais pu... Ouais, alors ça, franchement... J'aurais pu aller rechercher des ressources pendant que toi, tu construis. Mais non, si je veux y aller, tu dois venir avec. Ouais, j'ai vu pile la bonne hauteur. T'imagines un peu, ça? Magnifique. Utile. Comment je suis hyper trop doué. Industrie. Bon, attends, maintenant il est temps de placer la deuxième rangée. Bonjour, vous avez reçu un message. C'est Google Alert qui vous dit que votre pseudo est apparu quelque part sur Internet. Êtes-vous d'accord? Peut-être. Ça dépend quel type de... De contenu. De quel type de recherche aussi. Non, attends, il est tombé. Ah, il est en dessous. Il est en dessous? Ah oui, bah, je vais le chercher. Au pire, si t'as un ou deux blocs rouges... Non, j'ai zéro sur moi, j'ai vraiment tout déposé dans les coffres. Attends, je ne pose pas de blocs, je vais poser celui-là. Comme ça, je contribue, tu vois. Voilà. On pourra pas dire que j'ai rien fait. Mais au pire, si tu veux contribuer, tu sais quoi? Va à la zone d'atterrissage pendant que je construis vite fait, pour essayer de repérer apparemment dans quelle direction il faut essayer de partir. Donc, et comme ça, après, on fera un aller-retour, le temps de poser un ou deux trucs ici. Alors, oui, voyons ça, c'est par là, d'accord. Et franchement, je crois qu'on a trouvé le coin parfait, là, pour s'installer. C'est pas faux. T'as pas compris? Coin parfait pour s'installer. Non mais si, tu me dis c'est pas faux. Désolé, référence. Bref. Bon, enfin, pitié, c'est référence. Bah, c'était une référence à Kaamelott, je crois. Enfin, je crois, hein, parce qu'après... Moi, j'ai jamais réellement regardé les Kaamelott, donc...
Moi, j'ai vécu le livre 1. Et il y a un monsieur, il dit, j'ai pas compris quand il... Enfin non, il dit, c'est pas faux quand il comprend pas, apparemment. Oui, ah bon. C'est pas faux. Comment ça va être magnifique ! Voilà, j'ai fait des grosses flèches en bouse. Pour dire, des grosses là. Flèches en bouse. Ça faisait longtemps que j'avais pas entendu cette expression. Non, tu te poses pas là où je veux pas, le bloc. Tu n'as aucun droit. Qu'est-ce qu'il faut pour fabriquer une zone d'atterrissage? Je viens de regarder. Si je trouve déjà où ça se fabrique. Ah mince, ça y est, je crois que j'ai plus de blocs de jade raffiné. Zone d'atterrissage. Alors, il nous faut 2 blocs de pierre unique cloutés. On n'a que 2. On parle actuellement. Donc, ça va être problématique. Il faut 40 pierres, 6 rubis flamboyants. On va raffiner ça, on les a. Et 6 blocs de pierre unique. Ce qui nous manque, c'est des blocs de pierre unique cloutés. Ah, on peut les fabriquer. Il nous faut... Ah, c'est facile de les faire, les blocs runiques cloutés. On a déjà le fourneau niveau 2, donc c'est bon. Il faut juste une bloc de pierre runique et un charbon pour faire un bloc de pierre runique clouté. Bah, nickel. Et vu qu'on a genre dans les 600... encore un bloc rouge qui est tombé à côté. Je crois qu'on a dans les 600 blocs de runique, donc je pense qu'on est bien. Faudra aussi faire un autre pont, tu sais. Pour rejoindre l'île sur laquelle on se trouve. Mmh. Oh bah si je fais les choses comme dans Minecraft, ça va prendre du temps. Mais fais-toi plaisir, Iki, le roi de l'architecture. Pff, tu parles. T'es en train de revenir là du coup? Oui, je suis en train de faire un petit pont en bouse à nouveau, comme on dit bien, pour rejoindre l'île en fait. Juste à côté de la cascade qu'on a créée. Et voilà. Par contre, oui, l'entrée en gros sera par rapport au pont sur la droite. Regarde, tu vois où je suis? Attends, 1, 2, 3, 4. Ouais, je vois où tu es. Donc faudrait vraiment mettre la zone d'atterrissage devant le pont, parce que sinon, les gens vont... Oui, non, mais voilà, on le fera au bout du pont. Et ouais. Je n'ai plus assez de blocs de jade raffiné. Faudra faire un aller-retour à un moment donné. Fenêtre en bois, ça je mange schtroumpf pour l'instant. Bloc d'obsidienne, je mange schtroumpf aussi. Les pierres de portail, pareil. Pourquoi je n'ai pas pensé à prendre plus de bois raffiné? Pas de bois, de... De blocs de jade.
toute façon, quand on aura plus rien, on sera bien obligé de venir là-bas. De toute façon, il va bien falloir qu'on fasse une alerte à un moment pour récupérer les objets, les machins, les bidules. Par contre, juste pour information, on a combien de temps? Parce que comme il est déjà minuit, juste pour savoir, c'était vers 20 ou 30 qu'on a lancé la vidéo. Non, mais c'est simple, on a 40 minutes pile. 40 minutes pile, ah bah tiens. Oh, il est joli le pont comme ça avec le. Vraiment, j'adore la forme que ça prend. J'ai intérêt à remonter vite parce je que. Je vois au fond de l'eau. Me demander, il est passé où? Et tu fais trop. Oh. Et tu sais que t'as fait pile, je crois, pile la taille, tu sais, pour mettre l'entrée. Tu sais, la porte rouge comme ça avec. Ah, si c'est ça, franchement, ça serait génial. C'est pile poil. Oui, c'est 4, ça prend 4, c'est 4 cubes de large. Et ben, tu l'as fait pile poil. On pourra le mettre là. Bon, en fait, faudrait que ça aille à peine plus loin et qu'après y ait la porte, avec le même signe devant. On peut. Mais ça sera pile poil là, c'est pile poil cette largeur là. Les 4 cubes. Punaise, je suis un génie. Attends, faut voir du coup, il y a combien de blocs? Donc ça fait 4 du coup ici. Voici. 1, 2, ah oui, 4. Non, non. Bon, bah de toute façon, on va devoir s'arrêter à mon avis. Et même oui. Si c'est trop triste. Faut voir ce que j'ai dans mon inventaire. Bon, moi, on a commencé la construction. On peut dire qu'on a fait le minimum. La flotte. Et il aime faire trempette. C'est faux. Tiens, boule de feu. Non, non, fais pas ça. Arrête, qu'est-ce que c'est des blocs rouges? Ah, mais non, il a mis des blocs rouges pour remonter à la surface. Non, c'est fait exprès. Ah oui, d'accord. Ah, tu m'as fait peur, je pensais que tu l'avais juste utilisé pour remonter, c'est vrai, faire le très cher. Il nous faudrait tellement, en fait, il nous aurait fallu tellement une deuxième porte comme on a rouge, tu sais, pour la mettre ici aussi. Mm. Les cubes de terre là, il faudra les casser pour mettre autre chose. Ouais, mais on mettra du jade à la place. Ouais. Du jade partout. Ah mince, je me suis trompé. Par contre, le jade, est-ce que tu penses qu'on devrait, à certains endroits, poser du jade brut? Et pas du jade raffiné. Oui, oui, si, si, on, par exemple, peut-être pour les sols ou. Parce que ça pourrait donner un certain style aussi, ça. Si je me trompe pas. On va y arriver. Et cette fois-ci, la musique sera restée pendant tout le long, quand même, ça c'est cool. Hein? Et deux. Et voilà. Ah, ça fait déjà bien plus classe comme ça. Eh oui. Oh, attends, j'hésite. Presque envie de faire un autre truc. Ah, ça va pas du tout correspondre au style chinois. On s'en fout. J'ai envie. Attends, je veux tenter un truc. Si tu veux. Ah, mais moi, je m'en fous. Je veux, je veux, je veux. Il y a pas prendre. Ça va peut-être faire très moche, mais alors attends. Tu vas faire des. Tu sais qu'on pourrait peut-être mettre des barrières ou des trucs comme ça. Oui, non, mais ce que je voulais faire en fait, c'est-à-dire que d'abord j'ai des petits créneaux. Mm-hmm. Et puis et après, je vais mettre une ligne. Non, et pas forcément des barrières, mais des blocs blancs. Mm. Par-dessus. Tu sais, des sortes de pylônes, c'est comme à la romaine. Ouh, ce serait peut-être trop ces pylônes. Faudrait les faire plus sur le bâtiment, ça. Je pense. Ouais. Attends, déjà, on va finir ça, parce qu'après... Alors là, le problème, c'est que si jamais on doit casser un truc parce qu'on se trompe... Le pont, ça devrait dire de se tromper, mais... Faudrait voir après ce que ça fait de loin. Faudrait peut-être poser des bras zéro dessus, des trucs dans le genre. Des bras zéro bambou par exemple, pourquoi pas. Non, lui il s'est posé au mauvais endroit, tu vois, par exemple, il fait chier. Et il nous a pas respecté le bloc blanc. Faudrait que je sache les faire, les blocs blancs de béton. Et encore un qui tombe pas là où il faut. Ouf.
Après, si maintenant on se dit ouais, finalement c'est pas extra, ce qu'on peut faire, c'est qu'on y en a un qui se met en dessous, avec un petit pont de terre, qui récupère les blocs qui tombent. Et dès qu'on a récupéré tous les blocs, hein, il fait le chemin à terre sans détruisant le bloc de terre. Comme tout petit fait. Ne tombe pas, Iti, ne tombe pas. Quoique là, il y a moyen. Iti, pas tomber. J'en étais sûr, saleté. Non. Il faut des blocs de terre. Ah, oh, saleté! Bah, à toi de les péter maintenant, ceux qui restent, hein! je pouvais pas. J'avais pas encore réussi mon coup depuis un moment, il fallait que je fasse. C'est moi qui vais me casser la figure, mais toi, je le sens. Ça sera bien fait, nananère! En fait, on va passer tellement de temps à essayer de remonter qu'on va avoir la chance d'avoir un peu de lac, tu vois. Force de reposer des blocs de chaque côté. Ah, ça y est, apparemment, je suis revenu. Ça manque un peu de lumière, par contre. Hein. Ah oui, mais ça, on pourra mettre les... Tu sais, les statuettes de lampes, là. Les pompières, les sortes de lampes pompières. Ou les sortes de ballons de lampes, là. Je sais pas comment ça s'appelle. On a plein de lumières différentes, hein, mais... Pour éclairer le pont, tout. Fait pas chaud. Bon bah je pense que de toute façon on va s'arrêter là. Hein. J'aurais bien aimé voir deux jours comment ça faisait mais... Malheureusement on a encore quelques minutes devant nous donc je sais pas si on va... Ouais c'est pour ça on va arrêter là. Ici, la lune... Ah bah la lune ouais elle se lève seulement. On est même pas à la moitié de la nuit. Ouais je te laisserai terminer le pont de bouse. La destruction du pont de bouse. Le pont qui a créé de la base. Et là, faudra un immense palais. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y avait. Entre deux blocs, il y avait un trou. Au fond de la flotte. Et là, en fait, ce qu'il faudrait, c'est une forme ensuite, au bout du pont. Une forme principale et deux autres formes qui avançaient comme les pattes du sphinx. Oh. Et comme ça, on rentre. Et ça fait qu'on on arrive par le bâtiment avec des colonnes peut-être devant. On va mélanger des styles trop bizarres, ça va donner un résultat à mon avis qui sera moche peut-être, mais moi je me serais bien amusé. En fait, ça, si mettons tu vois ce que t'as fait en blanc, si ça descendait plus bas, ça ferait comme des pylônes de support, mais peut-être pas partout, mais à certains endroits. C'est vrai que ça va donner un certain style. Peut-être si ça descendait plus bas, ça serait un peu plus joli peut-être. Ouais. Si à certains endroits ils descendaient un peu plus bas, pas tous parce que ça serait trop. Ben, si on fait, tu sais, j'ai des sortes d'arcades, ça pourrait être super joli. Ouais. C'est-à-dire que par exemple, on fait 3 blocs d'un côté, puis 2, puis 1, puis 2, puis 3, puis 2, puis 1. Je pense que ça pourrait donner un bonheur. Par contre, il faut alors avoir de la chance qu'on a fait la bonne longueur et qu'on va pas tomber à un endroit où ça serait plus court. Tu sais qu'il manque. C'est pas grave, au pire. Oui. Au pire, on avisera au moment venu. Bon, cher ami, je crois qu'il est temps de s'arrêter. Et qu'est-ce qu'on fait? On se quitte à la maison? Comme ça, on est déjà sur place pour... Ça, c'est pas bête, ça. Ou on se quitte dans le temps de chargement, je sais pas. Non, on va aller jusqu'à la maison. Et puis, moi, de toute façon, j'ai déjà plein de blocs, donc... je peux pas trop caser plein de choses en plus, en fait. Ce que je pourrais faire, c'est mélanger ces deux trucs-là, par exemple, déjà. Après, j'ai des blocs d'émeraude, des trucs comme ça. Des gantelets brumeux, mais gantelets brumeux, je sais plus si j'ai pas déjà appris. J'ai plein de blocs de bois raffinés. J'ai 3 trucs de porte. Bref, on va quand même se retrouver là-bas. Parce que toi, il faut quand même que tu prennes des blocs pour construire, par exemple. Du coup, direction la maison. Attention, vous êtes prêts? C'est parti. Fort pinçon. J'aurais été dégoûté de mourir avant de... Genre... Vous allez être téléporté. Ton cadavre est téléporté. Non. Téléportation du cadavre confirmée. Bon, après, par contre, inutile de commencer à aller jusqu'à la maison, puisque de toute façon, on va se retrouver là dès la prochaine début de vidéo. Ouais, on n'a pas besoin de courir jusqu'à là, hein. On va se quitter sur la zone d'atterrissage. Je vois la lumière, il fait nuit. Il faudra essayer de se rappeler la première chose qu'on doit faire quand on arrive à la maison, là, la prochaine fois qu'on relance, c'est directement créer les pierres cloutées pour faire la pierre d'atterrissage. C'est vraiment la première chose à créer. Ouais. Mais on peut pas les péter, ces portails-là? Non, ils sont indestructibles. Oh,
devrais avoir honte, portail. Enfin, en l'occurrence, c'était pas un portail. Hé ! T'as vu l'île au-dessus, là-haut ? On dirait un bateau qui a perdu sa... Oh, on dirait un morceau de coque, comme ça. Ouais, il y a une coque des bateaux qui s'est fait couper en deux par le Nautilus. Voilà, c'était l'information de fin de journée. Enfin, début de journée, parce qu'en l'occurrence, il est maintenant minuit 16. 17, peut-être même. Bref. On va s'arrêter ici, j'ai l'impression que j'ai pas le temps d'avoir le hockey. J'espère, on espère, j'imagine, que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un agréable moment. Ou d'agréable moment. Bref, un agréable moment en notre compagnie. On se retrouve, quant à nous, très bientôt pour la suite des événements, notamment de la construction, j'imagine. Hein. Parce que, histoire au moins qu'on puisse poser nos bases et qu'on puisse commencer à s'installer, tout ça. Je pense, oui, qu'on va faire peut-être pas toute la construction en vidéo, parce que ça serait peut-être un peu... Non, mais peut-être pas tout d'un coup, on essaiera de faire continuer les quêtes. Des parties, tu sais, pour que moins les gens voient en pense que dans les 2-3 prochaines vidéos, on va s'occuper surtout d'essayer de construire les bases pour pouvoir poser des coffres et des machins, parce que c'est extrêmement désagréable de devoir faire, de pas savoir où est-ce qu'on va exactement. Hein, donc poser le principal, c'est-à-dire le bloc de téléportation, pour arriver pile en face de notre futur donjon, notre futur château, et ensuite faire quelques salles rapidement, même si on fait pas encore les murs, c'est juste pour poser un sol, pour poser des coffres dedans, et les trucs de base, histoire qu'on n'ait pas à trop faire d'aller-retour et autres éléments du genre. Voilà. Donc, encore une fois, merci. Je vous conseille d'aller visiter frappecjeux.fr ou itisan3.fr pour découvrir d'autres vidéos, que ce soit les miennes ou celles de mes collègues. Passez une agréable fin de journée, prenez soin de vous et à ciao tout le monde. Salut. Bye bye.